Patrick Juvet avait un physique de rêve et un visage d'ange, à faire pâlir de jalousie tous les hommes. Le chanteur, qui aurait fêté ses 71 ans le samedi 21 août 2021, a cependant fait recours à la chirurgie esthétique pour avoir de plus belles lèvres. Une opération qui s'est soldée par un échec cuisant. Les interventions plastiques peuvent réussir pour certaines personnes et être un véritable fiasco pour d'autres. Patrick Juvet fait partie des exemples d'opérations de lèvres rates. Le chanteur phare des années 70, mort le 21 avril 2021, s'était confié sur cette opération qu'il regrette. Une opération des lèvres rates le 10 mars 2019, l'interprète de Lady Night était présente sur le plateau de l'émission Terrien du dimanche. Il n'a pas hésité à s'ouvrir sur des sujets personnels, notamment une opération qu'il a subie sur une des zones de son visage qui a beaucoup changé, ses lèvres. Le chanteur Patrick Juvet. Photo, Getty Images. Le chanteur d'origine suisse n'a jamais nié avoir fait usage des interventions de modification corporelle. Il a confirmé qu'il s'est fait retoucher plusieurs parties de son visage. Cependant, l'opération de ses lèvres n'a pas produit le résultat escompté par la vedette des années Yeye. Le regret du chanteur, la chroniqueuse Monia Cachemire a lancé le sujet assez délicat directement. Elle rappelle au chanteur à quel point il était un beau gosse dans les années 70, avant qu'il ne commette l'erreur monumentale de se faire refaire les lèvres. Le chanteur s'est montré très franc à ce sujet. Oui, enfin, on a remis des gouttes en bas, mais qu'elle ne part pas. Patrick Juvet avoue qu'il regrettait sa décision de retoucher ses lèvres. Le chanteur Patrick Juvet. Photo, Getty Images. Il a tout de même tenté de se rattraper, mais le mal était fait. C'est raté. On ne voit que cas. À l'époque, on utilisait du silicone, je suis allé voir plusieurs médecins depuis, mais c'est irrattrapable, avait dit Claire Lex de Melanie Griffiths. À lire aussi, Patrick Juvet S, et laisse mourir de désespoir, un proche S, exprime. Patrick Juvet ironisait beaucoup sur ses lèvres et n'hésitait pas à plaisanter à ce sujet. Le chanteur se retrouve sans vie à son domicile à Barcelone. Il est la preuve que la chirurgie esthétique ne fait toujours pas toujours des miracles et peut laisser des séquelles à vie. Patrick Juvet amoureux de Jean-Michel Jarre de son vivant, Patrick Juvet a eu des relations intimes aussi bien avec des hommes que des femmes. Le chanteur qui assumait sa bisexualité, était follement épris d'un autre artiste de la meme generation. Le chanteur Patrick Juvet, qui représentera la Suisse au concours Eurovision de la chanson à Luxembourg avec sa chanson « Je vais m'être marié, Marie » 17 février 1973. Photo, Getty Images. Retour sur son coup de foudre pour Jean-Michel Jarre qui n'éprouvait pas les mêmes sentiments pour son ami. Abonnez-vous à Momama sur Google News.